Voyons ici des probabilités conditionnelles. Et commençons par cet exemple. Dans une famille avec deux enfants, l'un est un garçon. Quelle est la probabilité que l'autre soit une fille? On a tendance de dire que l'autre enfant, mais c'est soit une fille, soit un garçon. Donc cette probabilité, c'est 50%, un demi. Mais c'est faux. Regardons ça d'un peu plus près. Voici le début, start. Le premier enfant est soit une fille, soit un garçon. Maintenant, la deuxième naissance. Mais si le premier enfant est une fille, alors le deuxième enfant est soit une fille, soit un garçon. Et si le premier enfant est un garçon, alors le deuxième enfant est soit une fille, soit un garçon. Donc, lors de la naissance de deux enfants, voici la catégorie des preuves. Maintenant, dans l'énoncé, on nous dit que l'un des enfants est un garçon. Attention, on n'a pas dit que le premier est un garçon. On a dit l'un des enfants est un garçon. Et par conséquent, nous sommes dans un de ces trois cas-là. Ces trois cas-là. C'est ici que l'un des enfants est un garçon. Et quelle est maintenant la probabilité que l'autre soit une fille? Mais la probabilité que l'un des enfants est une fille, sachant que l'autre est un garçon, mais c'est une probabilité conditionnelle. Et on écrit la probabilité de fille si garçon. Cette probabilité conditionnelle, la probabilité que l'un des enfants soit une fille, sachant qu'il y a un garçon, c'est égal à cardinal de l'intersection divisé par cardinal de la condition. La condition, ça c'est ces trois possibilités-là. Et l'intersection, c'est-à-dire fille et garçon, ce sont ces deux possibilités-là. Donc la probabilité qui est demandée, c'est deux cas favorables divisé par trois cas possibles, les cas possibles étant imposés par la condition. Donc ici, la probabilité demandée, c'est 2/3, et pas un demi comme on croyait au début. Regardons ça d'un peu plus près. Nous avons ici une fraction. Si on divise en haut et en bas par le cardinal de oméga, on n'a rien changé à la fraction. Mais ainsi, on voit que le numérateur, c'est la probabilité de l'intersection, et le dénominateur, ça c'est la probabilité de la condition. Ainsi, cette fraction peut aussi être écrite sous la forme probabilité de l'intersection divisé par la probabilité de la condition. Regardons bien le passage de là à là pour pouvoir généraliser après. La probabilité qu'un événement ait lieu à une certaine condition, c'est la probabilité de l'intersection des deux événements divisé par la probabilité de la condition. Ça, nous généralisons et nous disons que la probabilité conditionnelle P de A si B est la probabilité de A, sachant que B s'est déjà réalisé. Donc, au total, nous avons la probabilité de A si B, c'est le cardinal de l'intersection des deux événements, divisé par le cardinal de la condition, ou bien encore, c'est la probabilité de l'intersection des deux événements, divisé par la probabilité de la condition. Voici un deuxième exemple de probabilité conditionnelle. Nous avons une urne contenant 3 boules rouges et 4 boules bleues. Nous tirons d'abord une boule. La probabilité de tirer une boule rouge au premier tirage est de 3/7.
probabilité que nous écrivons le long de ce segment de l'arborescence, comme ceci. La probabilité de tirer une boule bleue au premier tirage est de 4 septièmes. Imaginons maintenant que, au premier tirage, nous ayons tiré une boule rouge. Maintenant, nous tirons une deuxième fois et la rouge, on ne la remet pas dans l'urne. La probabilité de tirer une boule rouge dans cette situation-ci est de 2 cas favorables sur 6 cas possibles. Donc, elle est de 2 sixièmes. Et la probabilité de tirer une boule bleue au deuxième tirage, sachant qu'on a tiré une boule rouge au premier tirage, est de 4 sixièmes, comme ceci. Je vais remettre la boule dans l'urne. Maintenant, nous imaginons que nous ayons tiré une boule bleue au premier tirage. Donc, je mets une bleue hors de l'urne. Et on ne la remet pas. Au deuxième tirage, nous avons de nouveau la possibilité de tirer une rouge, parce qu'il y en a encore dedans, et aussi une bleue. La probabilité de tirer ici une rouge, elle est de 3 cas favorables sur 6 cas possibles, donc elle est de 3 sixièmes. Et celle de tirer une bleue au deuxième tirage, est, dans cette situation-ci, également de 3 sixièmes. Regardons maintenant cette probabilité-là, la probabilité 4 sixièmes. Les 4 sixièmes, c'est la probabilité de tirer une bleue au deuxième tirage, sachant qu'on a tiré une rouge au premier tirage. Donc, ceci, c'est bien une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité de B2 si R1. Et d'après notre définition, c'est donc la probabilité de B2 inter R1 divisée par la probabilité de R1. Dans cette égalité-là, nous pouvons mettre le P de R1 à gauche du signe d'égalité, où il va alors multiplier. Comme ceci. Et c'est de là que nous déduisons que, pour calculer la probabilité de B2 inter R1, ça signifie tirer une bleue au deuxième tirage et tirer une rouge au premier tirage. Donc ceci, c'est la probabilité de cet événement-là, mais c'est le produit de probabilité de R1 et probabilité de B2 si R1. Donc, pour calculer la probabilité de cet événement-là, il suffit, à partir du point start, de multiplier les probabilités le long de l'arborescence. C'est bien ça ce qu'on fait ici. On multiplie les probabilités le long de l'arborescence. Retenons bien ça. Le long d'une arborescence, on multiplie les probabilités. Regardons maintenant ceci. Quelle est la probabilité d'avoir tiré deux fois la même couleur? Les possibilités de cet événement, c'est R1, R2 et B1, B2. Donc, voici les deux événements concernés. Nous calculons donc ici la probabilité de l'union de ces deux événements. Nous calculons ceci. Mais les deux événements R1, R2 et B1, B2 sont disjoints. Ou bien on a cette possibilité-là, ou bien celle-là. Mais on ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc, nous calculons ici la probabilité de l'union de deux événements qui sont disjoints. Et ça, ça fait bien sûr penser à Kolmogorov II, qui dit que si deux événements sont disjoints, alors la probabilité de leur union est égale à la somme de leurs probabilités.
formule que nous avons de suite appliquée ici en mentionnant bien qu'on applique K2. Ce que nous cherchons donc, c'est la somme de ces deux probabilités. Cette probabilité-là, c'est la probabilité de R1 et R2. Et nous savons que le long d'une arborescence, on multiplie les probabilités. Donc, probabilité de R1 et R2, c'est 3 septièmes fois 2 sixièmes. Et la probabilité de B1, B2, ça c'est 4 septièmes fois 3 sixièmes. Donc le calcul qui nous reste à faire, c'est celui-là. Et comme réponse, nous trouvons 3 septièmes.